Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur mes 2 mois et demi de challenge chez Bibi. C'est parti! Hello! Je suis ravie, mais vous ne pouvez pas imaginer comment je suis ravie d'avoir pu trouver un tout petit peu de mon temps pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Alors, juste un petit point sur mon challenge pour les personnes qui ne le savent pas, c'est jusqu'ici, je n'ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement parce que je suis en plein challenge chez B. Et non seulement ça, mais franchement, je suis super busy. Je n'ai pas beaucoup de temps. Le travail me prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Bref, petit point. Alors, sur le mois de novembre, mon challenge il a commencé en octobre. Alors, j'ai fait ma première application le 30 septembre. Donc, octobre, novembre, 2 mois. Aujourd'hui, on est le 11 décembre. Donc, ça va me faire 2 mois et demi de challenge chez B. Et je suis plutôt satisfait de la tournure des événements, de la tournure de ce challenge. Parce que sur le premier mois d'octobre, j'ai fait souvent la mixture chez B que j'ai publiée d'ailleurs en vidéo. Je vous la mettrai là. Avec la mixture, ça s'est plutôt très bien passé. Je vous avais dit également dans mon lancement de challenge que je ferai une alternance entre la mixture chez B et le baume chez B. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le baume chez B. Je suis super contente de ce que ça fait à mes cheveux. Alors là, on a l'impression que j'ai fait un wash and go, mais ce n'est pas du tout un wash and go, c'est les effets de mon baume chez B. C'est celui-là. Je n'ai pas fait une vidéo pour la préparation, je suis désolée. Mais par contre, je vais vous mettre en fin de vidéo la recette de ce baume au chama. Le chama, c'est quoi? C'est une autre merveille que j'ai découverte. Je vais vous la montrer. Elle se présente comme ça. Mais alors, elle est très, très, très efficace. Elle rend les cheveux souples, elle les rend doux. Voilà, et c'est de la cire d'abeille de fabrication artisanale. Voilà, venue du Tchad, que je vais d'ailleurs commercialiser parce que ça marche super bien. Franchement, ce n'est pas pour dire. Hein. Mais quand vous l'associez avec la poudre de chez B, et franchement, ce qui va avec, je vais vous mettre le. La recette, franchement, je suis désolée pour les personnes qui ne pourront pas, mais le minimum, c'est d'avoir cette cire et la poudre de chez B et également la poudre de Nigel, voilà, pour faire ce baume. C'est une façon de dire, hein, les baumes, j'en fais souvent, mais celui-ci, c'est la révolution. Mes cheveux, j'ai pas fait un wash and go, hein. Sincèrement, je n'ai pas fait un wash and go. J'avais des vanilles que j'ai défaites et je n'ai même pas eu de casse. Ce que j'ai récolté, il y a 2 petits brins de cheveux qui se baladent, là. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu en détachant mes vanilles. Alors, comment vous dire, je suis super contente. Le cuir chevelu, il est propre. Franchement, rien à dire. Et là, ça fait 2 mois et 12 jours que je n'ai pas fait de shampoing. Mon challenge va plutôt bien. Et je ne sais même pas quoi ajouter. Mais tout se passe très bien. Donc, pour les personnes qui sont avec moi sur l'univers Inapi, je suis super contente de tous vos partages. Franchement, c'est motivant. Depuis que j'ai commencé avec le baume chez B, juste en mi-novembre, je crois. Hein. Oui, c'est ça, mi-novembre. Le résultat, il est différent. Et donc, je vais continuer avec ce baume, seulement ce baume, jusqu'à la fin du challenge qui sera donc pour l'été prochain. J'espère continuer à garder mes cheveux comme ça sans les laver. Voilà. Ils sont super beaux, hein. Ils brillent et tout. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Voilà, je vois que ma batterie elle est en train de s'affaiblir. Je voulais dire aux personnes qui me contactent là, en privé là, pour me dire qu'ils ont des problèmes de cheveux, que leurs cheveux sont durs comme le caillou, ils n'arrivent pas à les peigner, à les brosser, à les ainsi de suite. Le cheveu crépus, hein, franchement, quand vous lui trouvez ce qu'il lui faut, vous n'aurez plus ce problème. Moi, j'ai trouvé ce qu'il lui faut. Si vous voulez me suivre, suivez-moi, vous verrez les résultats
Et bien, si vous ne voulez pas me suivre, suivez-moi toujours et vous aurez des résultats pour l'hydratation de vos cheveux. Ce n'est pas la magie, hein, c'est le chébé et ça marche super bien. Un petit lèvre check. J'adore, hein. Franchement, regardez. Il n'y a pas de gel là. Hein. Je vous promets qu'il n'y a pas de gel dans ces cheveux. Ils sont tout brillants, ils sont tout doux, ils sont tout bien détendus. Regardez-moi ça. Oh, mais moi-même, je n'arrive pas, je savais. Je savais bien que ce chevet était fait pour moi. Et je savais bien que ce chevet était fait pour mes cheveux. Donc voilà, ça pousse. Hein? Tadam, 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 tadam. Là. Donc voilà, franchement, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne ferai pas souvent de vidéos, vu que vous savez maintenant que je suis en plein challenge, je ne ferai pas souvent de vidéos, mais je poste beaucoup, je mettrai des petits posts également sur la chaîne et sur mon groupe, je partage encore beaucoup plus. Donc si vous voulez me rejoindre, si vous voulez me rejoindre dans mon charmant univers Nappy, écoutez, c'est l'occasion de faire votre demande sur le lien que je vais mettre en barre d'informations et comme ça, rejoignez-nous pour pouvoir vivre cette merveilleuse aventure et pour avoir de beaux cheveux. Voilà, c'est ça. Et comme je vous le disais également, je vais vous mettre un lien sur la vidéo, je pense vous l'avoir déjà dit, bon bref, sur la fabrication du chama. Voilà, la qualité sur la vidéo du chama, elle n'est pas très 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 bonne, mais vous comprendrez l'essentiel de l'utilisation de ce produit par les Tchadiennes. L'Afrique regorge de beaucoup de merveilles. Alors, n'hésitons pas à les tester, à les essayer et puis à les partager parce que quand ça marche, il faut le faire partager. Quand ça ne marche pas, il faut aussi le faire partager. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie les personnes qui continuent de s'abonner. Franchement, sincèrement, ça me fait énormément plaisir malgré le fait que je suis un peu absente ces derniers temps que vous continuez à vous abonner. Promouvons la beauté du cheveu crépus. Tel est mon but, le cheveu crépus. Il pousse. Je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt.